Bien, on va commencer. L'objectif surtout, n'oubliez pas, c'est un exercice au niveau B1 et on va utiliser l'imparfait. Parfois, il y aura des situations qui ça sera mieux soit le passé composé, soit le présent. Oui, on verra au fur et à mesure selon le besoin du texte. Donc on a quand le verbe être. Petit, je le verbe vivre dans une grande maison à la campagne avec mes parents et ma petite sœur. Donc ici on a déjà deux verbes. Normalement quand on utilise con et quand on utilise avant, on utilise presque les tons les verbes à l'imparfait. C'est une marcation temporelle qui invoque surtout l'imparfait. D'accord Je vais essayer de m'approcher, c'est pour ça que vous n'allez pas voir tous les textes, mais l'objectif c'est ça. Donc je vais m'approcher pour que vous puissiez voir le verbe. Donc comment ». donc le verbe être à l'imparfait donc Con. le verbe être, c'est un verbe irrégulier. Donc, c'est le seul verbe qu'on n'utilise pas la base de nous au présent, sauf le verbe défectif. On utilise la base de vous. Donc, con. laisse-moi juste changer la couleur. Donc, con. j'étais petit. Quand j'étais petit. Ici, c'est important aussi. Pourquoi On a petit au masculin et j'utilise le verbe être. Si c'était par exemple l'accord au féminin, donc je sais que la personne qui raconte son histoire, c'est un personnage masculin. Sinon, j'aurais quand j'étais petite. Donc ça, c'est important aussi. Donc je, ici, c'est une continuation. Donc je vivais, je vivais du verbe vivre, je vivais dans une grande maison à la campagne, avec mes parents et ma petite sœur. Quand je dis j'ai vécu dans une grande maison, c'est possible, mais c'est pour marquer un acte ponctuel dans le passé. ici, non, il y a une certaine durée, c'est-à-dire au long de toute mon enfance, donc j'étais petite et je vivais donc dans une grande maison. donc, j'étais petit et je vivais dans une grande maison. si vous avez envie de réécrire avec votre histoire, n'oubliez pas si vous êtes une fille, donc quand j'étais petite, n'oubliez pas de faire les accords avec être. donc, notre maison, le verbe être, Entouré des champs et des forêts. Notre maison, le verbe être à nouveau, entouré des champs et des forêts. Donc ici, on a la description. Ici aussi, c'est un indice qui, quand on utilise l'imparfait, c'est pour faire de la description au passé. Donc notre maison, ici c'est qu'on j'étais, la première personne du singulier. Ici, c'est notre maison. Donc elle. Elle était. La prononciation c'est la même, pourtant on écrit avec t à la fin. Donc notre maison était entourée des champs et des forêts. Ici on a j du jeu. Pourquoi? Parce qu'il y en a aimé. Donc le verbe à l'infinitif c'est le verbe aimer. Donc ta, ta ta aimer beaucoup, explorer la nature et découvrir des nouveaux endroits. Donc le verbe aimer à l'imparfait à la première personne du singulier. Bonjour à tous qui arrivent. Aujourd'hui, on fait un exercice en utilisant l'imparfait. C'est un texte au niveau B1. Donc, parfait. Donc, je m'approche un peu plus. J'aimais. Donc, j'aimais beaucoup explorer la nature et découvrir des nouveaux endroits. Il y a une caractéristique du français qui, quand on a un adjectif avant un nom, on utilise deux au singulier, même si ici on a l'accord au pluriel, ok? Donc deux nouveaux endroits. Mon père me le verbe montrer souvent les différents arbres et plantes, et je le verbe apprendre beaucoup des choses intéressantes. Donc mon père me le verbe montrer, mon père me le verbe montrer. Ici, c'est lui qui est en train de montrer quelque chose, c'est mon père, donc le sujet de la phrase c'est mon père. Mon père, à la troisième personne du singulier. Donc, mon père me montrait, parfait. Mon père me montrait souvent les différents arbres et plantes. Et le verbe apprendre, à l'imparfait, beaucoup des choses intéressantes. Et donc, le verbe apprendre aussi, il commence par une voyelle. Attention, ici, c'est montrer. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de travailler un texte à trouver au niveau B1 à l'imparfait. Et ici, appris, c'est le parti passé du verbe apprendre. À l'imparfait, c'est oui, c'est ça, c'est j'apprenais. J'apprenais. j'apprenais, c'est-à-dire à cette époque-là, j'apprenais beaucoup des choses intéressantes. Je pourrais écrire ces textes au passé composé. Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez adapter le texte selon la consigne, et selon le besoin. Donc, quand j'étais petite, j'ai vécu dans une grande maison à la campagne. Ta, 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 ta. Notre maison était. Ta, 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 ta. Et j'ai appris beaucoup de choses intéressantes. Vous voyez que je peux mélanger les deux tons verbaux selon mes besoins. Si je raconte quelque chose au passé, à un moment ponctuel, j'utilise le passé composé, si c'est quelque chose qui a une durée dans les temps, j'utilise l'imparfait. D'accord Bien. Ensuite, on a, tous les matins, ma mère, une caractéristique aussi de l'imparfait, c'est d'utiliser une répétition, une habitude. Donc, tous les matins, ma mère, le verbe, préparer un délicieux petit déjeuner. Donc, tous les matins, ma mère, c'est elle, donc la troisième personne. Du singulier, tous les matins, ma mère, ma mère, pas fait. Je vais approcher un petit peu pour que vous puissiez voir quel est le verbe. Donc ici, c'est le verbe préparer. Préparer, ça existe, mais ça, c'est le conditionnel. Ce n'est pas l'imparfait. Donc, ma mère. Voilà ma mère préparait ma mère préparait un délicieux petit-déjeuner. Elle, le verbe faire, se vend des crêpes ou des tartines avec la confiture maison. Donc elle, maman, ma mère, le verbe faire, se vend des crêpes ou des tartines avec la confiture maison. Donc le verbe maintenant c'est le verbe faire. Donc, n'oubliez pas, nous sommes en train d'utiliser l'imparfait. Donc, elle, le verbe faire. Pour ceux qui arrivent maintenant, bonjour à tous. Nous sommes en train de travailler un texte au niveau B1, dont le titre est Je raconte mon enfance. L'objectif, c'est d'utiliser l'imparfait. C'est un texte à trous. Donc, elle. Elle fait et elle a fait. Ça existe tous les deux, mais elle fait, c'est le présent. Elle a fait, c'est le passé composé donc elle faisait elle faisait souvent donc oui une habitude c'est un adverbe aussi qui marque l'habitude donc c'est pour ça que j'utilise l'imparfait donc à cette époque-là de son enfance donc ma mère préparait un délicieux petit-déjeuner con donc souvent et souvent elle préparait quoi comme petit-déjeuner donc des crêpes ou des tartines avec la confiture maison après le petit déjeuner, je, le verbe prendre mon vélo et je, le verbe pédaler jusqu'à l'école. Donc je, le verbe prendre mon vélo et je, le verbe pédaler jusqu'à l'école. Donc maintenant, on a le verbe prendre et ensuite on a le verbe pédaler. Parfait, parfait. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des difficultés avec l'imparfait, euh, sur ma chaîne YouTube, il y a dans la playlist lives enregistrées, toutes les explications par rapport au, à l'imparfait, mais pas qu'il y a tous les temps du passé et aussi du futur. Si vous avez des difficultés, c'est le même nom. Hein? Mais après, le live, vous allez sur mon profil, et il y a un lien. Là-bas, il y a tous mes réseaux sociaux. Ma chaîne YouTube, c'est le premier lien. D'accord Donc, je... Le verbe prendre, donc je prenais. Je prenais. Donc ici, vous voyez, on avait le verbe apprendre. Dans le verbe apprendre, on a le verbe prendre. Donc ici, c'est apprenais », Ici, c'est prenais. Donc prenais mon vélo et je pédalais. C'est un verbe régulier. Donc je pédalais. Je pédalais jusqu'à l'école. Donc ce apostrophe donc ce le verbe être une petite école avec seulement quelques classes mais le professeur le verbe être très gentil et nous le verbe apprendre beaucoup donc voilà quand on fait l'introduction donc c'était et on fait une introduction à quoi on fait l'introduction d'une Présentation. Donc, on va faire la description de cette école. Donc, c'était une petite école avec seulement quelques classes. Mais les professeurs, le verbe être, pour ceux qui arrivent maintenant, on utilise les tons de l'empathie. D'accord Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé c'était. Donc, mais les professeurs, les professeurs, c'est plus d'un professeur. Donc, deux, trois... Enfin, on ne sait pas la quantité, mais les professeurs. Donc, si c'est plus d'un professeur, on doit utiliser le pluriel. Donc, la troisième personne du pluriel. Mais les professeurs était très gentil. Et nous, le verbe apprendre, à nouveau, on a utilisé le verbe apprendre à la première personne du singulier. Maintenant, on a la première personne du pluriel. Oui, était. Pourquoi le... Mais les professeurs, les professeurs, c'est « ils ». Ils qui Les professeurs. Donc ils étaient très gentils. Et nous, le verbe apprendre beaucoup. Donc nous, à la première personne du pluriel. Nous apprenions. Voilà. Nous apprenions. Nous apprenions beaucoup. Était ici l'accent. On a un accent aigu sur la voyelle E. Je vois quelqu'un qui est en envoyé ici sur le deuxième, dans sur le premier. E-N-T, ça ne change pas. D'accord Donc, état ici, après-nion. Ça, c'est une faute aussi assez grave. Attention, pourquoi Parce que si on ajoute seulement après-nion, ça existe, mais c'est le présent. Notre objectif, c'est d'utiliser l'imparfait. L'imparfait, c'est les tons qu'on appelle les tons de rappel, les tons euh, du souvenir. Donc, c'est justement pour parler de quelque chose qui a eu lieu dans le passé. D'accord donc voilà, on a déjà deux paragraphes. Très important, si vous avez envie d'avoir accès à ces fichiers-là, à ce textes, pour après, hein, vous pouvez l'adapter, euh, le répondre à nouveau, le travailler. Donc vous pouvez soit vous abonner sur ma chaîne YouTube, parce que je vais essayer de vous, vous le partager euh, à travers la vidéo, et sur mon profil. Il y a tous mes réseaux sociaux. Donc, il y a les groupes Telegram. Donc, envoyez un message sur Telegram. Là-bas, je vais euh, vous envoyer donc, le texte. Okay? Donc, soit sur Telegram, soit sur ma chaîne YouTube. Pendant les vacances, ma famille et moi, le ver partir, souvent en randonnée dans les montagnes. Donc, pendant les vacances, ma famille et moi, le ver partir, souvent en randonnée dans les montagnes. Attention, car ici, il y a un petit piège. Ok, ici il y a un petit piège. Quel est le piège On a ma famille, donc on pense elle, et on pense moi, donc on pense isolément. Mais quand on a ma famille et moi, on a nous. Donc en fait on va utiliser la première personne du pluriel. Donc ici n'oubliez pas. Ici on a, comme je vous ai dit, on a le professeur qui c'est il pluriel. Ici il y a ma famille et moi, quand je suis incluse, donc on dit nous. Dans un contexte plus informel, on peut remplacer par on. C'est aussi correct. Mais vous voyez ici dans la phrase suivante, j'ai déjà nous, donc je vais privilégier nous. Donc ma famille et moi, nous partions. Voilà, nous partions. N'oubliez pas partons, ça existe, mais c'est le présent. Donc nous partions souvent en randonnée dans les montagnes. Nous, le verbe, aimer, marcher pendant deux heures et Admirer les paysages magnifiques. Donc, nous, le verbe aimer, on a déjà utilisé le verbe aimer ici à la première personne du singulier et maintenant on va utiliser à la première personne du pluriel. Donc, nous, le verbe aimer, parfait. Donc, nous aimions, nous aimions, n'oubliez pas, hein, toujours, j'insiste, le i à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel, c'est obligatoire. Pourquoi? Pourquoi Parce que sinon, on a le présent. Euh, mon père, le verbe porter, toujours un gros sac à dos avec de la nourriture et de l'eau. Donc, euh, mon père, le verbe porter. La différence, surtout par rapport quand on écrit hein, à entre l'imparfait et les conditionnels, c'est que les conditionnels, on entend toujours le R. C'est le R qui vient du radical du, du futur simple. Avec la terminaison de l'imparfait. À l'imparfait, rarement on entend le r. Donc le passé n'aime pas les r. Donc c'est ça. Donc le conditionnel, oui, il y a la même terminaison, mais on entend toujours le r qui vient du radical de futur simple. Je vous rappelle sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Là-bas, il y a tous les tons verbaux et toutes les explications. Les titres sont vraiment suggestifs. Il faut juste chercher si vous ne connaissez pas encore. Euh, c'est un verbe là, d'accord Donc donc mon père portait, pas fait mais portait avec t à la fin. Pourquoi Parce qu'il c'est mon père. Donc c'est il. Il portait mon père. Donc il portait toujours un gros sac à dos avec de la nourriture et de l'eau. Et nous le verbe faire des pique-niques en plein air. Donc ici on a et nous le verbe Faire, on a déjà utilisé à la troisième personne du singulier, mais non à la première personne du pluriel. Nous, le verbe faire, nickel, donc je suis désolée, ma fenêtre elle est ouverte, donc il y a un pot de soleil qui entre, donc d'un côté c'est trop sombre, d'autre côté c'est trop clair, donc je suis exactement militaire. Donc nous faisions, nous faisions des pique-niques en plein air. Parfois, nous, le verbe camper, camper c'est faire du camping aussi, et nous, le verbe dormir sur les étoiles. Donc le verbe camper à la première personne du pluriel, à l'imparfait. Nous, parfait, nickel, nous campions, nous campions. Si vous ne connaissez pas le verbe, vous pouvez adapter, par exemple, ah je ne connais pas le verbe camper, mais je connais le verbe, par exemple l'expression faire du camping, donc nous faisions du camping. Vous pouvez l'adapter selon les besoins. Et nous le verbe dormir sous les étoiles, donc le verbe dormir à la première personne du pluriel. Nickel et nous dormions et nous dormions sous les étoiles. Super Donc, un paragraphe de plus. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de travailler l'imparfait. Donc, c'est un texte au niveau B1 où quelqu'un, donc je, raconte mon enfance. L'objectif, c'est de remplir les trous en utilisant l'imparfait. Parfois, ça ne sera pas possible. On verra le pourquoi. Et je vous rappelle donc que sur ma chaîne YouTube, il y a les explications concernant tous les tons verbaux inclus l'imparfait. Très important pour ceux qui sont là et qui sont nouveaux, euh, le 14 juin, vendredi prochain, je commence la semaine du français. C'est un événement qui, bah, il y aura toute la semaine, du 14 au 21, il y aura des lives deux fois par jour, avec des sujets que j'ai déjà préétablis, qui sont déjà disponibles. Donc je vous invite à participer du 14 au 21, tous les jours, il y aura deux lives. Euh, pendant la semaine, à, 18h30, à 18h et à 20h30, et samedi, dimanche, à 11h du matin et à 20h30. Moi, j'habite en France, donc c'est basé sur euh, l'air française, d'accord Bien, on continue. Les soirs d'été, nous le verbe organiser euh, souvent des barbecues dans notre jardin. Donc, les soirs d'été, nous le verbe organiser souvent des barbecues dans notre jardin. Pour ceux qui ont demandé la capture d'écran, je vais euh, vous laisser faire à la fin. Et aussi, si vous avez envie de recevoir ces fichiers-là. Je vais essayer de le laisser disponible sur ma chaîne YouTube et aussi dans les groupes Telegram. Donc, vous pouvez, après le live, je vais essayer de vous envoyer. Donc, parfait. Donc, nous organisions, nous organisions souvent des barbecues dans notre jardin. Nos voisins, le verbe venir et nous, le verbe manger, tous ensemble. Donc, les voisins, les voisins, les voisins sont ils. Organisons, ça existe. Organisons, c'est les présents. Nous sommes en train d'utiliser les tons de l'imparfait. Donc, organisons, présent, organisions, imparfait. D'accord? Nos voisins, nos voisins sont les voisins. Donc, ici, c'est ils, à la troisième personne du... Pluriel, nos voisins. Ils, donc ils, le verbe venir, donc nos voisins venir à la troisième personne du pluriel, à la troisième personne du pluriel à l'imparfait. Nos voisins venaient, venaient, oui, nos voisins venaient. Et nous le verbe manger tous ensemble. Et nous le verbe manger. Tous ensemble et nous le verbe manger tous ensemble, oui, c'est nous à la première personne du pluriel. Attention aux verbes qui finissent en je, e, r, pourquoi? Parce que je mangeais, c'est m, a, n, g, e, a, i, s, donc il y a les e, sauf qu'à la première personne du pluriel, on n'a plus besoin du. E, car il a déjà le i donc nous mangeons ok nous mangeons et attention mangeons avec e ons ça existe c'est le présent notre objectif c'est d'utiliser l'imparfait si j'ai déjà une voyelle ici qui c'est le i je vous approche donc mangeons il n'y a plus besoin de garder le e d'accord donc attention mangeons comme ça ok nous mangeons ». Donc, mangeons, oui, je garde les E et j'ajoute ONS. À l'imparfait, j'enlève la voyelle E et j'ajoute le I à la place, i ons. Au singulier et à la troisième personne du pluriel, je vais garder les petits E car c'est la base. Mais, mangeons et mangez, la première et deuxième personne du pluriel, il, il n'y a plus besoin parce qu'il y a la voyelle I. D'accord? Voilà. Donc, nous mangeons ensemble les adultes le verbe discuter pendant que les enfants le verbe jouer à cache-cache ou au football donc les adultes les adultes une fois de plus les adultes c'est ils ok les adultes le verbe discuter les adultes le verbe discuter donc les adultes donc ils fait donc il discutait la troisième personne du pluriel, hein? a i e n t, discutait pendant que les enfants tandis que, donc pendant que les enfants le verbe jouer à cache-cache ou au football, donc le verbe jouer, donc. Ici, on a les enfants. Donc, les enfants, c'est aussi il. OK Il. Il, c'est pluriel. Parce que c'est les enfants et pas l'enfant. Donc, les enfants jouaient. Les enfants jouaient à cache-cache ou au football. Donc, jouaient à la troisième personne du pluriel. Il joue, une fois de plus, ça existe. C'est le présent. N'oubliez pas. Nous sommes en train d'utiliser l'imparfait et c'est les enfants, les enfants, il y a plus d'un enfant. S'il y a 2, 3, 4, 25 enfants, je ne sais pas, mais les enfants donc pluriel. D'accord Donc ils jouaient. Ensuite on a je le verbe aimer beaucoup ces soirées. Donc je le verbe aimer beaucoup ces soirées car il i le verbe avoir Toujours une ambiance joyeuse et conviviale. Donc n'oubliez pas, pour ce qui arrive maintenant, nous sommes en train d'utiliser l'empathie. Donc à la première personne du singulier, à l'empathie. Donc je mets. Je mets beaucoup ces soirées. Car il lit le verbe avoir toujours une ambiance joyeuse et conviviale. Parfait. Donc, on a il a une personne, il y a expression. Ici, à l'imparfait, on aura il y avait, il y avait, il y avait avec t. Il y avait toujours une ambiance joyeuse et conviviale. Parfait. Donc, avec t, car il s'agit de la troisième personne. D'accord? Voilà, donc c'est une expression, c'est neutre, donc on ne traduit pas ce il-là. Pourtant, il existe, donc on sait que c'est la troisième personne du singulier. Pour ceux qui arrivent maintenant, donc soyez le bienvenu. Hein. Je suis assise, mais mon bureau, la moitié, il y a beaucoup de soleil. Donc c'est pour ça que d'un côté c'est trop clair, d'autre côté c'est un peu sombre. Bon, on va continuer. En hiver, quand il le verbe faire, très fois, nous le verbe faire, défaut de cheminée. En hiver, quand il, le verbe faire, pas fait, quand il faisait, quand il faisait, très froid, nous, le verbe faire, défaut de cheminée. Donc, nous, nous, à la première personne du pluriel, nickel, nous faisions, nous faisions, défaut de cheminée. Ma mère, le verbe préparer du chocolat chaud. Ma mère, le verbe préparer du chocolat chaud. Ma mère, donc ma mère c'est elle, le verbe préparer du chocolat chaud. Donc ma mère préparait, préparait à la troisième personne, donc avec T, ma mère préparait. Du chocolat chaud. Et nous le verbe asseoir, tous ensemble. Et nous le verbe asseoir, tous ensemble. Attention, car le verbe asseoir, c'est un verbe irrégulier. Ok Lui, normalement, quand vous regardez par exemple un bécherel, il y a plus d'une forme. Donc, il y a deux formes de conjugaison. Je vais utiliser celle qu'on utilise le plus. Ok donc, le verbe assoi, c'est un verbe irrégulier. Donc, on aura, nous nous asseyons, asseyons. Donc, on a Y, I, O, N, S. Donc, asseyons. OK Donc, il y a les Grecs, et ensuite, il y a le I. Nous nous asseyons tous ensemble près du faux pour écouter des histoires. Okay? je vous rappelle. Quand on regarde surtout un Becherel, le verbe s'asseoir ou asseoir. Ici, c'est pronominal, hein? le verbe assoir s'asseoir, pardon. Euh, il a deux formes. Donc ici, j'utilise celle qu'elle a plus utilisée. Et donc ça, nous nous asseyons tous ensemble près du feu pour écouter des histoires. Mon grand-père, le verbe venir, souvent nous rendre visite. Mon grand-père, le verbe venir, souvent nous rendre visite. Donc mon grand-père, donc c'est il, mon grand-père, donc c'est il. Venait, venait, avec T à la fin, parce que c'est il, donc il venait souvent nous rendre visite. Et il, le verbe être, oh pardon, j'ai sauté une ligne, et il, le verbe raconter, des contes de son enfance donc et il le verbe raconter des contes de son enfance le verbe raconter à la troisième personne du singulier donc et il racontait il racontait des contes de son enfance je le verbe aimer beaucoup écouter ces histoires. Donc je le verbe aimer beaucoup écouter ses histoires. Parfait. Donc j'aimais beaucoup écouter ces histoires. Elle le verbe être toujours pleine de mystères et d'aventures. Donc elle elle quoi elle qui ces histoires. Donc ici c'est par rapport à ces histoires. Donc, elle à la troisième personne du pluriel, le verbe être, toujours pleine de mystères et d'aventures. Nickel, donc elles étaient. Elles, ah, pardon, c'est la troisième personne, donc je vais écrire. Elles étaient, à la troisième personne du pluriel, elles étaient, j'allais écrire à la troisième singulier. Donc, elles étaient, toujours. Pleine de mystères et d'aventures. Je me, le verbe souvenir aussi, des moments passés à la bibliothèque du village. Ici, il y a un petit souci. Quel est le souci Ici, la personne qui est en train de raconter son histoire, je vous rappelle, c'est un texte au niveau b Donc, il faut qu'on sache que parfois, il faut adapter selon les besoins, n'est-ce pas La personne, elle dit qu'elle se souvient aussi. Donc ici, ce n'est plus l'imparfait. Il faut que je revienne au présent. Donc, ici, on va entourer le verbe car on ne doit pas le conjuguer à, à l'imparfait. Je dois le conjuguer au présent. Pourquoi Parce qu'ici, la personne, elle revient au moment présent pour parler de ce qu'elle est en train de raconter. Donc, je me souviens si elle était en train de, de raconter un récit dont ce passé dans ces récits, elle racontait quelque chose, donc là, elle pourrait utiliser l'imparfait. Mais comme ici, c'est un récit, et le texte, c'est le texte principal ici, donc il faut utiliser le présent. Donc, je me souviens aussi du moment passé à la bibliothèque du village. Donc, je, le verbe adorer, je, le verbe adorer. le verbe. J'essaie je, de bouger euh, un petit peu ici parce que ma fenêtre, elle est ouverte. Il y a le soleil qui entre. Donc, sinon, vous n'allez pas voir le texte. Donc, le verbe adorer. Donc, oui, donc j'adorais j'adorais lire et je, le verbe pouvoir passer des heures à feuilleter des livres. Donc, je, le verbe pouvoir Passer Des heures à feuilleter des livres, donc feuilleter des livres, c'est à dire passer les feuilles, ok, passer les pages. Parfait. Je pouvais, je pouvais, pouvais passer des heures à feuilleter des livres. La bibliothécaire, le verbe être très gentille. gentil, me le verbe recommander toujours des nouveaux livres intéressants. Quelqu'un demande pourquoi le verbe euh, euh, souvenir il n'est pas conjugué euh, à l'imparfait parce qu'ici c'est une interaction au présent donc je me souviens aussi tout cela c'est déjà ce qu'il est en train de raconter de son enfance c'est qu'il se souvient et ici il ajoute quelque chose de plus donc ici je reviens au présent et je continue à raconter mon récit c'est pour ça donc la à la bibliothécaire donc elle elle était très gentille. Émeut le verbe recommander. Émeut le verbe recommander. Elle était très gentille. Et me, le verbe recommander. Nickel. Attention, émeut. Recommandait. Qui me recommandait quelque chose La bibliothécaire. Donc c'est... Elle me recommandait. Donc ici, le sujet il n'apparaît pas ici, mais le sujet il est là dans la phrase. Donc la bibliothécaire, donc elle me recommandait avec double m. N'oubliez pas, recommandait. Quelle est la différence C'est juste à la fin, au lieu d'un s, on aura un t. On ne les prononce pas. Donc la prononciation c'est identique. Pourtant, on écrit avec t. Donc elle me recommandait toujours des nouveaux livres intéressants. Grâce à elle je le verbe découvrir ici aussi on a une petite faute par rapport à ce texte. Quelle est la petite faute Découvrir c'est un verbe avec deux. Ici il me donne un indice. Mais attention, allons-y analyser la phrase pour vérifier s'il y a une faute ou pas. Donc si on pense, grâce à elle, de nombreuses auteurs, donc ici on a deux possibilités. Je vais vous expliquer tous les deux. Donc grâce à elle, si on pense avec ce lien avec le présent, je peux dire par exemple, on va, ici on va souligner, souligner le, le verbe avec une couleur différente. Je peux dire, grâce à elle, j'ai découvert, passé composé, parce que c'est un acte ponctuel dans le passé. Donc, grâce à elle, j'ai découvert de nombreux auteurs. OK J'ai découvert. Mais si je veux revenir au passé, donc à l'imparfait seulement, donc oui, je vais garder, j'ai découvert. Quelle est la différence? Je vous explique. Pourquoi? Si je pense à chaque semaine, par exemple, il allait à la bibliothèque. Si à chaque semaine il allait à la bibliothèque et elle recommandait des livres, des nouveaux livres, donc à chaque semaine il découvrait de nouveaux, nombreux auteurs. Mais là, si je parle par rapport à tout ce qu'il a vécu au long de son passé, donc grâce à cette bibliothécaire, j'ai découvert, donc c'est pour ça qu'ici j'utilise le passé composé j'ai découvert de nombreux auteurs au long de mon enfance. OK Ici, c'est au moment de son enfance, ici, ça a été au long de son enfance. Et de la même façon ici, on a le verbe développer. On va faire exactement la même chose. Donc ici on peut soit si je pense dans ce sens général, donc j'aurais j'ai développé j'ai développé J'ai développé au passé composé. Pourquoi Ici, c'est une véritable passion pour la lecture. Donc c'est le fait réalisé. Il a développé une véritable passion pour la lecture grâce à cette bibliothécaire qui lui recommandait toujours des nouveaux livres intéressants. Donc ici, j'ai le passé composé. Si j'utilise seulement à ces moments de son enfance, donc au long de son enfance qu'il était en train de développer, donc je développer. Mais là, ce qui va mieux donc, c'est vraiment le passé composé, ok? Ici, je vous donne les deux juste pour que vous, euh, vous sachiez qu'il y a cette différence. Mais surtout ici, on a la différence de sens. Donc, celui qu'on va privilégier, ça sera celui j'ai. Je, je vous ai donné ici. Donc, le passé composé, le passé composé. On a déjà une phrase ici hein, au présent et maintenant, on a le passé composé parce que c'est un fait accompli. Ça a été grâce à ça, donc cause-conséquence. La cause, la bibliothèque, la bibliothécaire recommandait toujours des nouveaux livres. La conséquence, il a découvert de nombreux auteurs, il a développé une véritable passion pour la lecture. D'accord Voilà, avant de commencer le dernier paragraphe, oui, euh, ce live, il sera disponible sur ma chaîne YouTube encore aujourd'hui, donc la vidéo. Et euh, je vais vous placer soit en commentaire, soit dans le... au premier commentaire, je vais... soit en commentaire, soit dans la description, désolé. Euh, je vais essayer de vous disponibiliser, donc de laisser disponible le texte. Sur mon profil, il y a un lien. Vous allez appuyer sur ce lien, vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube, mais il y a aussi les groupes Telegram. Si je n'arrive pas à vous partager euh, voix YouTube, donc peut-être je vais arriver à le faire à voix... Euh... Instagram, euh, Instagram. Pardon, plein de, de réseaux sociaux euh, par Telegram. D'accord Donc il y a tous mes réseaux sociaux euh, au lien qu'il y a sur mon profil. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous, likez, c'est important. Euh, je vous rappelle, du 14 au 21 juin, la semaine française hein, de live tous les jours. Donc, mon enfance, le verbe être rempli des moments heureux et des découvertes. Donc, mon enfance. Attention, on va voir, donc mon enfance. Ici, on parle de ces moments-là, donc mon enfance. C'est elle, donc mon enfance. Elle, donc. Euh. Mais pourquoi c'est elle si c'est mon enfance? Parce qu'il y en a une règle qui, avant les mots qui commencent par voyelle ou h muet, même s'il si, si, s'agit d'un mot féminin, on utilise mon pour faire la liaison. Ici, il y a deux possibilités. Je vais vous donner les deux. Si je pense à ces moments-là, donc je dis mon enfance était, ok, c'est l'imparfait. Si je pense dans le sens général, donc je vais utiliser a été, donc le passé composé ici l'imparfait. Quelle est la différence? Les moments de mon enfance, les moments que je me souviens de mon enfance. Donc l'enfance elle-même, les moments que je parle de mon enfance. Donc je peux utiliser soit le passé composé, soit l'imparfait. Euh, chaque jour, le verbe apporter son lot d'aventures et des surprises. Donc, chaque jour, à ces moments de l'enfance, donc chaque jour, apporter, parce que là on parle de ces moments précis, donc chaque jour, apporter, apporter son lot d'aventures et des surprises. Je le verbe garder de merveilleux souvenirs de cette époque et je l'ai le verbe chérir encore aujourd'hui. Ici, vous voyez que les verbes ils sont en gras. Vous voyez, c'est par rapport au reste du texte. Pourquoi ils sont en gras Je reviens au présent. Si je reviens au présent, ici, ce n'est pas je gardais de merveilleux, euh, merveilleux souvenirs de mon, mon époque, de cette époque. Je les garde encore. C'est-à-dire que c'est un souvenir que je le tiens encore. Si je le tiens encore, donc je garde. Ici, je vais utiliser les tons présent. Je garde ton présent. Pourquoi Parce que je reviens au présent. Je parle de mon enfance. Donc, je garde de merveilleux souvenirs de cette époque. De façon que j'utilise la marcation « cette époque ». Quelle époque De mon enfance. Et je l'ai, le verbe « chéri ». Donc, je l'ai la même chose. Encore aujourd'hui. Vous voyez, il y a la marcation de présent. Donc, je garde de merveilleux souvenirs de cette époque et je les chéris en tant que verbe, mais on écrit comme ça. Chéris encore aujourd'hui. Donc, je les chéris. Ici, euh, pardon, il y a juste un détail. C'est je les chéris par rapport à souvenirs. Je suis désolée, on a un complément d'objet direct ici. Donc, c'est je l'ai chéri. Je vais les réécrire ici en bas. Chéri au pluriel. Et je vous explique. Je l'ai chéri encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est je l'ai chéri encore aujourd'hui Le verbe chéri, c'est un verbe en IR. Je, je l'avais conjugué comme si c'était un verbe en ER. Donc, chéri avec S. Pardon. OK Je l'ai chéri encore aujourd'hui. Avec S. Ah, c'est pas à cause du complément d'objet direct. Non, ici, c'est pour éviter la répétition, mais c'est parce que c'est un verbe en IR. OK Voilà, c'est je, ici, c'est un verbe en IR. Donc, je l'avais conjugué comme si c'était un verbe du premier groupe. Ça arrive. Avec tout le monde, hein? avec n'importe qui. Voilà. Donc, ici, on a un texte au niveau B1 où on utilise. Euh Chérie, quelque chose, c'est euh, aimer bien. Ça veut dire euh, garder un bon souvenir. Donc, euh, chérie, euh, quelque chose. Euh, vous avez déjà lu, euh, vous avez déjà vu le, le petit prince quand elle parle, il parle de la rose. C'est un souvenir qu'il va chérir toujours. Le petit Nicolas, il dit ça aussi. Donc, il va toujours aimer. Donc, c'est ça. Chérie, euh, c'est chéri, ça. Chéri avec E, c'est le féminin de. de on a chéri, mon chéri, ma chérie. Donc c'est pour ça. Donc ça existe. Mais c'est ma chérie, par exemple. Donc c'est avec E à la fin. Ce n'est pas le verbe. Mais chéri, c'est aimer. C'est pour ça qu'on on dit mon chéri, ma chérie. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. D'accord Voilà. Donc pour ce petit texte, au niveau B1, je suis désolée, hein, ma fenêtre elle est ouverte, donc c'est pour ça qu'il y a cette couleur un peu bizarre, parce qu'il y a la lumière d'un côté, et il fait sombre d'autre côté. Donc c'est pour ça. La prochaine fois, je vais faire attention à ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle, hein, sur mon profil, il y a un lien où il y a tous mes réseaux sociaux. Vous allez les trouver facilement. Il faut juste aller sur mon profil, il y a le lien. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à vous abonner, à rejoindre au groupe sur Telegram. Pourquoi Parce que le 14 juin, euh, je commence la semaine du français, il y aura des lives tous les jours, deux fois par jour, à 18h et à 20h30. Les sujets sont déjà disponibles. Aujourd'hui, je vous ai partagé une vidéo avec tous les sujets. Le live, ont était déjà créé, donc ici sur TikTok et aussi sur euh, ma chaîne YouTube. Donc, je vais essayer de, de vous transmettre. Avec les deux appareils, donc sur mon ordi sur YouTube, sur mon portable TikTok. Sauf que sur mon ordi sur YouTube, je pourrais vous montrer euh, mon écran. Donc, toute l'explication et tout ça, les exemples, vous allez voir directement sur mon écran à travers ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à participer donc du 14 au 21. Donc, Telegram, c'est exactement la même chose. Comme je vous ai dit, tous les liens sont sur mon profil ici sur TikTok. Si, comme je vais partager cette vidéo sur YouTube, si vous regardez sur YouTube, s'il vous plaît, laissez un petit commentaire. Ça, c'est important aussi pour, euh, comme ça, la vidéo, elle est partagée un peu plus. Donc, si vous avez envie de recevoir ce fichier-là, soit vous envoyez, je vais euh, l'envoyer maintenant sur euh, Telegram, mais je vais essayer aussi de le laisser disponible sur YouTube. Donc je ne sais pas si je verrai aussi sur YouTube, mais sur Telegram c'est sûr et certain. Donc je vous invite à, part... à vous abonner ici sur euh, ma chaîne YouTube. Je vous approche un petit peu comme ça c'est plus facile de voir. Et euh, le lien Telegram est déjà disponible. Il y a ma chaîne YouTube, il y a mon livre sur le passé composé, il y a le livre de conjugaison. Donc tout mon matériel est disponible sur ces liens là. D'accord Je vous remercie tous. Donc, c'était juste un petit exercice, mais je le trouve assez intéressant parce qu'on a travaillé, on a vu quand on a dû euh, utiliser un ton verbal différent. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il c'est intéressant aussi de euh, bien analyser le texte avant de juste, ah, mais pourquoi je fais ça Donc, il faut bien de, de faire attention. Demain, je vais essayer de faire un petit live sur le plus qui est parfait. Donc, à quel moment de la journée Je ne sais pas encore peut-être à midi, peut-être à 17h. Je ne sais pas encore, ça dépend de mon travail. Je vais essayer de, de, de faire ce petit live-là sur le plus qui est parfait. Et n'oubliez pas, donc du 14 au 21 juin, des lives tous les jours à 18h et à 20h30. Les sujets seront différents. Donc ce sont des sujets comme les évaluations du, des diplômes, DELF, DALF, DILF, TEF, TCF. Les, tous les niveaux de français, comment mieux parler français, comment mieux écrire. Donc, tous les lives seront vraiment intéressants. Donc, je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai partagée aujourd'hui sur euh, YouTube. Là-bas, il y a tous les sujets de tous les lives. Les lives, les événements, ils ont été créés aussi. Vous pouvez activer les notifications comme ça. Vous allez recevoir une notification quand je serai en direct. OK? Donc, merci beaucoup à tous. Pour ceux qui ont envoyé des cadeaux, merci beaucoup. Si vous pouvez envoyer encore, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère vous retrouver très, très bientôt. Et on se voit donc soit demain, mais vendredi, c'est sûr et certain. Hein? Donc, le premier live de la semaine française euh, aura lieu vendredi à 18h en France. Donc, c'est l'heure française. Donc, à 18h et le deuxième à 20h. Pour ceux qui demandent par rapport à mon télégramme, vous allez sur mon profil ici, sur TikTok. Il y a les liens. Sur YouTube aussi, euh, dans la description des dernières vidéos, il y a aussi le lien Telegram. D'accord Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite donc à vous envoyer un message. Comme ça, je vais vous partager ce texte-là. D'accord Merci beaucoup et à la prochaine